Dans la chaleur de l'été, aujourd'hui nous déballons la Woodbox. Hey, salut souvent, c'est Jérémy de Monsieur Jérémy. J'ai toujours aussi chaud. Bien, quelques jours avant mon anniversaire, le 1er juillet, j'ai reçu la Woodbox de juillet. Alors je ne sais pas pourquoi, ça fait deux fois que je reçois des boîtes noires et directement avec tout l'emballage dessus, mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'à la fin de l'année, ils vont nous dire « Vous avez reçu tant de boîtes noires, vous avez un cadeau, va savoir, on ne sait pas. » Bon allez, aujourd'hui je suis content, on va la déballer. Je ne sais pas pourquoi aussi, elle est beaucoup plus lourde que d'habitude, donc ça m'intrigue. Allez, c'est parti, on ouvre. On tourne, alors déjà le design semble très très sympa. Space, aujourd'hui donc juillet 2018, nous allons voir ce que ça donne. Ok, alors, premier cadeau, une petite figurine pop que je vais certainement garder de chez Futurama avec Bender, le petit robot, très sympa, avec sa petite canette de bière là. C'est génial, c'est vraiment super, très mignon ça. Allez, cadeau numéro 2, je viens de le voir et je comprends pourquoi c'était lourd. Et ça, c'est pareil, je vais le garder. Le mug Trooper Star Wars. Il est lourd, c'est dingue, hein. Très, très sympa. Je confirme. Allez, on va ouvrir. Je veux l'essayer. Putain, ça pèse, hein. Alors, c'est pas mal. Très joli. Très, très joli. Hop, avec d'un côté le truc de la force. Et de l'autre côté, le Trooper. Le dessous, le logo. Et l'intérieur noir. Très, très sympa. Je garde. Je valide. Ça continue. Alors, alors, ça, est-ce que les moins de 30 ans peuvent connaître? Oui, c'est repassé à la télé. Biff Tannen, Pleasure Paradise, Playing Card. Biff Tannen, c'était dans Retour vers le futur, le premier ou deuxième? Troisième? Premier? Premier ou deuxième? Et du coup, ce sont des cartes à jouer. Et en fait, le fameux Biff avait récupéré, je crois, un almanach des sports qui lui avait permis de faire une fortune considérable. Et du coup, voilà, Back to the Future 2. Et donc, du coup, ça m'avait marqué, c'était très drôle ce film. J'avais adoré ce film. Et. Ah, génial! Génial. Alors du coup, visiblement, t'as le personnage dessus. C'est génial, ce truc. Bon, mais ça, je vais garder, bien entendu. Hein. Super, donc c'est un vrai jeu de cartes tradit. Nickel. Avec des éléments de la série, très bien. Il y a la tête du Doc sur le Joker. On continue. Alors, le petit pins, on a l'habitude. Avec la soucoupe volante. Pas mal. Très mignon. C'est Futurama, ça? Je dirais que oui. Eh, on arrive à la fin. Alors du coup, le t-shirt. Ah là là, ça sent le geek. J'ai toujours un peu de mal avec les t-shirts de Woodbox en ce moment. C'est Halo. Donc c'est un t-shirt vraiment exclusif. Donc avec vraiment... bon là, c'est très très typé. Donc quand tu le sors, t'es un peu plus repérable. Peut-être pour le sport, pour traîner, pour dormir. Pour sortir aussi, il est joli, hein. Mais moi, c'est pas mon style. Je me ferais faire des trucs plus discrets ou plus légers. Mais pas mal. Et la boîte? Alors, moi, personnellement, je garde toutes les boîtes. Je les trouve super. Du coup, ça me sert à mettre des rangements. Et en plus, c'est très stylé. On va voir à quoi elle ressemble. Très stylé, cette Woodbox. Très, très sympa. C'est nickel pour mettre tout mon bordel, cacher des trucs. Vous ne saurez pas quoi. Très, très bon modèle. Alors, cette Woodbox, je l'ai bien aimée. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai adoré le mug. Il n'y a rien à dire. On a les Wooters. Je ne suis pas dedans. Bon, bah, tant pis. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Donc, on avait la figurine pop à 15€. On avait le Biff Tannen, le jeu de cartes, à 10€. Donc déjà 25, le t-shirt à 20€, donc 45, le mug Star Wars à 8, et le petit pins à 4. Donc c'est plutôt pas mal, on a une belle box. Toujours pareil, hein, on est aux alentours de 20 et quelques euros, suivant votre abonnement, pour recevoir à peu près plus de 50€ de produits. Donc très très bien, n'oubliez pas le code, hein, que je vous ai mis en description, et puis s'il y a des promos, je les mets toujours sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller voir. Et on a une info pour le mois prochain, j'ai l'impression que c'est du Deadpool.
Donc j'ai hâte de voir ça. En attendant, je vous embrasse. N'hésitez pas à aller visiter le lien de Woodbox. Déjà, pour les remercier de me sponsoriser, c'est super sympa. Même si vous n'achetez pas, n'hésitez pas à aller voir les liens. Ça permet de dire que vous avez vu la vidéo. Et puis voilà, c'est sympa pour moi. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Ciao.